Bien, on va pouvoir continuer. Alors, du coup, la dernière fois, on avait fini l'horreur, on avait sauvé Tetra, on avait... Alors, faudrait que je me mette en ne pas déranger. Je le ferai après. On avait sauvé Tetra, on avait récupéré l'épée, récupéré le bouclier, fait un peu d'achat et tout. Donc là, maintenant, on va embarquer avec les pirates. C'est parti. Non, c'est pas le bon bouton. Il n'est pas tout neuf, ton bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir? Bon, on verra bien. Allons-y maintenant. Tu es prêt? Oui. Bonne chance, Link. Retrouve vite Ariel. Fais bien attention à toi. Qui sait quand tu reviendras? Oh, elle a cassé l'ambiance. Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein? En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite, pendant qu'il en est encore temps. Et on s'en va. Et cette cinématique qui était juste incroyable. On commence l'épisode comme ça. Voilà. Bien. On se retrouve donc sur le bateau des pirates. Voilà. Donc, bah, il est plutôt sympa. Hein. Alors, on va parler à Tetra. Link, arrête de tourner en rond comme ça. Tu donnes le tournis à tout le monde. Je demandais à Nico qu'il s'occupe de toi. Va le voir en bas et demande-lui ce que tu peux faire pour l'aider. Et ben, on va y aller. On va aller en bas. C'est par là. Donc on est ensemble jusqu'à peu près 17h les amis, hein, comme j'ai dit. Alors, hé là, attends un peu. Si c'est la chambre de... si c'est la chambre de Tetra, même nous, n'y allons presque jamais. Alors toi, hors de question que tu y rentres. Eh ben très bien, de toute façon je compte pas y aller. Bonjour Nico. Ah, te voilà le nouveau. Je suis ton chef. Je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirai. Alors écoute-moi bien. Nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. D'abord, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Il faut t'approcher, orienter pour pouvoir monter sur le bouton. Alors ça, je me souviens qu'à l'époque, j'avais galéré à le faire. Sauf sur la plateforme. Enfin, pas pour le premier gameplay, mais la première fois que j'avais fait cette partie du jeu, toute première fois, j'avais galéré à faire ce passage. C'est horrible. La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus. Alors, il faut faire comme ça. Il faut attraper une corde pour se balancer. Tu peux nanana pour te balancer, ou moins fort. Et A, lâcher. Ok, ça marche. Donc c'est le tutoriel encore. Hein. Alors, tu as compris, il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. J'espère qu'on va pas trop galérer. Les plateformes ne restent pas très longtemps en l'air, alors il faut se dépêcher d'arriver en face. Compris le nouveau? En général, il faut environ un an pour apprendre à faire ça. Si tu y arrives en moins d'un an, je te tire mon chapeau. Allez, montre-moi un peu ce que tu sais faire. Ça va très bien. On va te montrer. Je vais te montrer ce que c'est un professionnel. Alors d'ailleurs, j'ai réglé mon problème de vibration. J'arrivais pas à le faire fonctionner les vibrations avec l'émulateur là, la dernière fois. Donc là, j'ai réussi à avoir la vibration. Donc elle est pas extrêmement forte, mais voilà, c'est histoire de. Bon, tiens, ça commence bien. Les caisses du fabrique sont correctement et bien jusqu'ici. Ah, et puis j'ai oublié de te dire. Connard.
Bref, oui, je sais jouer encore, merci, putain. Oh! Eh, je rappelle que Zelda c'est ma licence, hein, donc c'est ma licence phare, donc j'ai envie de dire. Heureusement que je sais jouer. Et vivement Twilight Princess aussi. Parce que Twilight Princess il est incroyable, c'est un excellent Zelda. Bon, allez. Mais c'est pas le bon bouton. Ouais, en fait c'est la sensibilité, j'ai du mal avec la sensibilité. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Oh, parfait. Le dernier. Tombe pas. Génial, voilà. Eh, on n'a pas tant galéré que ça. Hein, hein? Quoi? Déjà? Je suis... Oui. Je suis valet ton chef. Je crois que je peux lui donner ça. Oui, je pense que je peux. Bien. Je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce à côté. À côté. Ce sera la récompense de ton chef Nico. Je vais te le chercher avant que les autres n'arrivent. Tu tombes pas. S'il te plaît, Link, fais pas le con. Merci. Bon. Bien. On prend quelques rubis. Ça peut toujours servir. Même si à chaque fois. Ça sert pas trop à rien qu'on en prenne là maintenant. Parce que on va en retrouver encore plein des rubis. Donc bon. Oh, l'animation d'ouverture de coffre. Elle m'avait manqué celle-là. Même si on vient de finir Ocarina of Time. Et vous obtenez le sac à butin. Ce sac vous sera très utile, notamment pour ranger des objets que vous aurez dérobés à vos ennemis. Ce sac peut contenir jusqu'à 8 objets. Pour vider le contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur... Parfait. Oh Link, nous sommes arrivés à la forteresse maudite, remonte vite. Parfait, on remonte. Bon, eh ben remontons. Dégage, je ne veux pas te parler. Je crois qu'il faut monter en haut. Il me semble qu'elle va me le dire. Elle va me dire, ouais, monte en haut. Ou alors, attends, est-ce qu'il y a une vue subjective en fait avec celui-là? Oui, hein, je crois que c'est. Eh ben non. Si. Non, normalement il est censé. Normalement c'est flèche du haut. Là ça fonctionne pas. C'est pas grave. Ah voilà, c'est quand même. Eh oh Link, je suis pas là, ici. Oui, et eh ben j'arrive. Et eh ben je monte. J'arrive. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Je suis sûr qu'il t'a fait un... Qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Je suis bien d'accord. Oh regarde! Là-bas! Cette fenêtre! C'est Goéland, ça ne te dit rien? Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster. Comment faire? Tu veux aller dans un endroit dangereux? Il faut au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va aller. Vous êtes tous prêts?
Il ne faut pas manquer notre coup. Visez bien. 3. 2. 1. Feu. Ça vibre pas des masses non plus, hein. Ça vibre un peu, mais pas des masses. La manette. Et merde. On a perdu notre épée. Forteresse maudite. Ah là là. Ah, et sort ton épée dans un endroit pareil. Pardon, mal visé. Mais te fais pas cette... ne me fais pas cette tête là. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais. Et je peux même te parler quand tu vois apparaître. Ah, appuie sur... appuie un peu sur le bouton. Appuie sur start nanana, dans l'inventaire pour faire apparaître l'écran statut quête et tu verras ma pierre. Mais tu devras me la rendre quand tu auras retrouvé ta sœur. Alors ne la perds pas. Très bien, je la perds pas. Bon, on arrive dans la forteresse maudite. Et comment j'ai déjà la carte. J'ai déjà la carte. Comment ça j'ai déjà la carte. Comment ça j'ai déjà la carte. Bon, alors on n'a pas notre épée. Vous voyez que je clique sur B, hein. Je n'ai pas mon épée. On se casse. Je voulais juste récupérer mes trucs, moi. Bon, bah, ça fait un peu chier qu'on ait pas notre épée. Comment on a fait pour pas se faire repérer. J'en ai aucune putain d'idée. Mais on sait pas faire repérer, c'est bien. Bon, on va tout de suite rentrer avant de faire les cons. Parce que c'est un peu chiant. Parce que c'est un genre de Metal Gear Solid, mais en plus facile. Ou alors plus compliqué, ça dépend de quel point de vue on parle. Ok, c'est directement pas par là. C'est pas par là. On va déjà faire le tour par le bas, après on montera. Et si mes souvenirs sont bons... parce que j'ai des très mauvais souvenirs. Voilà. Faut pas se faire repérer, sinon s'ils nous voient eux... Ben c'est la merde. Attends. Bon, c'est bon, on est ok. Voilà, stop. Normalement, on est ok. Et merde, je me suis fait attraper. Je me suis fait voir, bon c'est pas grave. Fallait s'y attendre. Voilà, donc quand on se fait voir, eh ben on se retrouve ici. On se retrouve au trou comme on dit. Et bon c'est vraiment pas compliqué de s'en échapper. Ils sont un peu cons, hein. Regardez les gars, vous avez une... Ah bah oui, ah bah totalement. Vous avez une sortie ici les gars. Faites un effort quand même. Yo Knight, bienvenue à toi sur le Nightwing, bienvenue à toi sur le stream. Merci de passer. Alors. Alors. Bah j'ai pas mon épée. Oui, effectivement, faut se souvenir que j'ai pas mon épée. Alors, ouais, je crois que c'est la carte qu'on peut avoir là. C'est la carte. Dites-moi que c'est la carte. Je pense que c'est la carte. Oui, c'est la carte, bien entendu que c'est la carte. Mais je l'avais déjà. Enfin, je crois. Il me semble que je l'avais déjà la carte, hein. Comment on fait? Ah, c'est comme ça. Ok.
Oh, intéressant. Bon, d'accord. Ça me va. J'ai du mal avec les touches, moi. J'ai du mal avec les touches. Si je suis pas habitué en fait à la GameCube, moi. Ah, elle m'appelle et ça vibre quand elle m'appelle. Link, écoute-moi. Écoute bien. En haut de cette échelle se trouve un monstre qui actionne des projecteurs. Si tu parviens à te débarrasser de lui, tu pourras sans doute éteindre la lumière. Le problème, c'est que tu n'as pas d'arme. Tu ne peux te servir que de ton bouclier. Si j'étais toi, je me protégerais de l'attaque du monstre avec un bon bouclier en appuyant sur un simultanément pour faire tomber son arme. Que je ramasserai avec A, mais c'est autant de voir. Oui, très bien. Bah, merci pour le conseil. Mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller comme un grand. Bonjour, monsieur. Fais remonter les projecteurs. Donc. Allez. Allez. Allez, donc faut faire comme ça. Merde. 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 Bon, tu voudrais même filer ton arme, s'il te plaît. Sinon, je fais ça, moi. Là, tac, tac. Ensuite, non mais... Attends, j'ai du mal, moi. On va pas se prendre un game over dès le début, non, quand même. Mais vise-le, là. Tue-le, putain. Oh, putain. Attendez, moi, j'ai perdu des réflexes à ce jeu, hein. T'es mort. Il m'a fait chier, lui. Un pendentif du bonheur, parfait. Vous obtenez un pendentif du bonheur, ce qui sera placé dans votre sac à putain. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit ces pendentifs attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage. C'est génial. Très bien. Premier projecteur défait, il y en a 3 à défaire. En tout. Sauf que j'ai presque plus de vie, donc il va falloir qu'on retrouve de la vie. C'est un peu la merde là sinon. Dis-moi qu'il y a de la vie. Oh non! Oh non, c'est ici! Oh non! Oh non! Non, s'il te plaît, non! Ne me dis pas, s'il te plaît. Voilà, génial! C'est incroyable! Bon, une arme. En fait, on est dans la forteresse maudite au tout début du jeu. Et y a pas. J'ai perdu mon épée en fait. Ruby jaune, ça vous dit ruby vert, parfait. Ah, et puis y'a l'huile en plus. Oh, fais chier. Non, non, non. Casse-toi. On va vraiment se prendre un game over, hein, je pense. Hein. Donc, ouais, j'ai perdu mon épée en fait. Et je peux la récupérer qu'après. C'est comme ça. C'est comme ça que. C'est comme ça que le jeu est sadique dès le début du jeu. Parce qu'on est bien d'accord, c'est du sadisme pur ça. Attrape ça. Et là-dedans, dis-moi qu'il y a de la vie. Y'a rien. Y'a un cœur, très bien. Je prends, toujours, ça peut toujours être utile. Ah bah j'avais du mal à les prendre en fait, du coup vu que j'ai un peu de mal avec les contrôles du jeu. Donc, ah, putain, elle m'appelle elle. Je vois un peu de mal avec les contrôles donc. Ah, je sais, Link. Pour accéder à la tour où est emprisonnée ta soeur, tu vas devoir chercher la pièce qui se trouve juste en dessous. Et le chemin qui y mène se trouve derrière l'édifice. Tu comprends? Ouais, je comprends. Toum, toum, toum. Alors attends, on vient d'où? On vient de là?
Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Mais non, on est déjà là. Oh, techniquement, on pourrait terminer le truc, mais il faut d'abord éteindre les projecteurs. Donc, on retient que c'est là, mais. Y'a quoi dans cette caisse? Non, justement, je veux que tu. Saisir. Ok. Ok, ok, ok. Celle-là, c'est la sœur de Link. Non! Non, c'est absolument pas la sœur de Link. Celle-là, c'est la princesse dans les jeux. C'est la princesse du royaume, en fait. Là, notre sœur, c'est Ariel. C'est la sœur dont il parle, bah, c'est Ariel en fait. C'est celle qui s'est faite enlever par un oiseau un oiseau qui appartient à au méchant du jeu, on va dire. Pour pas trop spoiler pour ceux qui connaissent pas. Mais voilà, voilà, voilà. On va essayer cette porte, voir ce qu'il y a dedans. J'aimerais bien la boussole en vérité. Ça pourrait être sympa d'avoir la boussole. Oh bah parfait. Oh bah très bien. Je tombe encore sur un lampadaire, c'est bien. Mais j'aimerais bien avoir la boussole. Ça pourrait être sympa. Intéressant. Monte, vas-y, mais monte. Oh. Donc, deuxième lampadaire. Donc voilà, cette fois j'ai les bons trucs en main. Amène-toi, toi. T'es nul! Ah bah c'est moi qui suis nul par contre. C'est moi qui suis nul. Voilà, t'es mort. Donc. Ça m'a jeté. Ensuite, où c'est qu'il faudrait que j'aille? Cadre rouge en bas. Ah, c'est le chat, c'est la box du chat du live. C'est l'endroit du chat normalement. Le cadre rouge qui est vers la carte, c'est le truc du chat. C'est il y a le chat en direct qui apparaît donc. C'est normal que ce soit là. T'inquiète. Donc, j'aurais peut-être pas dû passer par là parce que. Attends, faudrait que je reparte en arrière moi. On était sur un bon endroit. Donc, on va continuer par là. Tu vois rien dedans? Ouais, c'est que ça doit être mal mis alors. C'est que la boîte du chat est implémentée dans. Mais je verrai ça au prochain live. Ou alors je verrai carrément à l'enlever. On verra. Du coup. Est-ce qu'il y a la boussole Paras? Non, pas vous. Non, pas vous. Non, pas vous. Pas vous. Pas vous. Non, c'est non. C'est non. J'ai dit non.
J'ai dit non. C'est... Non. Ah, c'est la boussole. Dis-moi que c'est la boussole. Oh non, mais... Dis-moi que c'est la boussole, dis-moi que c'est la... Cassez-vous. Non mais cassez-vous. J'ai dit... Oh putain, ouais. Je vais prendre un game over à cause d'eux. Mais... Monte. Oui, les messages restent pas. Oui, normalement le... Les messages ne restent pas. Ils sont là pour quelques secondes, puis après hop, ils disparaissent. Tu te casses toi. Attends. Non mais putain. Je le fais exprès. Je le fais exprès, je crois. Donc attends, on va bien le faire. Voilà. Parfait. Maintenant, boussole. Parfait. Vous connaissez désormais l'emplacement d'un certain nombre de trésors dans le donjon. Utilisez la main pour faire apparaître la carte de l'écran. Très bien. Alors, justement, il n'en reste plus qu'un seul, le coffre. Au rez-de-chaussée. Donc, on va retourner au rez-de-chaussée, du coup. Et... Non mais cassez-vous! 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 Cœur, s'il te plaît, cœur, voilà, merci. Merci bien. Et dans l'autre, il n'y avait rien. Génial. Donc, si c'est bien ce que je pense, c'est pas du tout dans le bon sens. Ok, c'est d'autres sens. De l'autre côté. De l'autre côté. Par là, comme ça. Et une porte ici ou... Oui, une porte. Il y a totalement une porte. C'est parfait. Oh non, pas vous. Oh non, s'il vous plaît, pas vous. Donc, au bout, il y a un coffre, du coup. Oui, ils vont nous faire chier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes, tu... Ok, tu passes par là. Si tu me pousses, je vais m'énerver. Il fait demi-tour. Il est con. Il est con. Ouais. Le problème, c'est que c'est lent. Bon, faut que je me cache ici. Alors ton pot de semaine? Ouais, ton pot de semaine. Oula, oula. Oula, j'ai fait un jeu dangereux là. Ok. Non, tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. C'est faux. C'est absolument faux. Je décline toute accusation à tort. Sur moi, j'ai du mal avec la caméra, excusez-moi. L'autre, il a deux tournées, hein. C'est bon, on est bien d'accord. Ils ont le tourné. Allez, on se casse, c'est bon. On a réussi. On se casse. Alors, coffre. Il y a bel et bien un coffre ici. C'est quoi? Je me sens que c'est une carte au trésor. Alors, si ma mémoire ne fait pas défaut, le bouton pour ouvrir est là. Eh hey. Cette musique. Incroyable, non? Allez, vas-y. Alors, attrape ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais bien attraper? Merci. Enfin, ouvrir, je veux dire.
Yo Brian, ça va et toi? Ah non, c'est un quart de cœur, bon, c'est trop bien. Bon, maintenant, on va pouvoir se casser de là. Si on se barre, on s'en bat les couilles, voilà. C'est, si on ramène à la prison, c'est très bien. Alors. Ça me rappelle les souvenirs de jeu. Ah bah, c'est le Wind Waker, c'est... Il est mythique celui-là, hein. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais que tu fasses. Merde. Oh, j'en ai... En fait, j'ai du mal avec les contrôles, c'est ouf. C'est pour moi dans en fait, dans Zelda, c'est A pour qu'il entre. Mais en fait, non, pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Eh ouais, non. Faut cliquer sur R1. Sur la gâchette arrière. Ça m'énerve. Enfin, bref. Donc, du coup, là, on va pouvoir désactiver le troisième lampadaire. Et se tirer bien gentiment. Si je me trompe pas, normalement, on a fait tout. On a fait toutes les. Alors, si je vais par là, c'est quoi? Tiens, faudrait juste que je sache. Le quatrième lampadaire, il est là. Donc, si je ne me trompe pas, ouais. Faudrait qu'on aille en face. C'est en face que ça se passe. Donc, par là, quoi. Grosso merdo, par là. Donc là, c'est pour quel lampadaire? C'est pour un lampadaire? Ça m'a l'air d'être pour un lampadaire. Enfin, j'ai dit lampadaire, projecteur hein, si vous préférez. Oui, c'est pour un projecteur. Projecteur. Ah, ça sera pour un raccourci de tout à l'heure. Mais ça ne m'intéresse point. Ah bah tiens, bonjour. En fait, limite, je t'avais zappé, toi. Tu pourrais bah, attendre 2 secondes, s'il te plaît. Mène-toi voir. T'es où? Ah mais tu es là. Mène-toi. Parfait. Et c'était le troisième lampadaire à détruire. On les a, enfin à désactiver. On les a tous désactivés. Maintenant, on va pouvoir terminer le. Ce mini donjon, on va dire. C'est pas le premier donjon du jeu, c'est un mini donjon. Ça mène où ça? Ah non, c'est pas l'endroit où je veux que ça mène. C'est pas cet endroit que je cherche. Ok. Ah non, du coup, non. Ah non! Non, du coup, non, je me suis trompé, c'est... Ah, mais ça m'énerve. C'est énervant. C'est un peu... c'est un peu la galère... niveau de... Donc là, c'est par là, voilà, nickel. C'est un peu la galère niveau... niveau carte et tout. Un petit labyrinthe quand même. Alors ici il y a des raccourcis à mettre. Oui, il y a des raccourcis à mettre. Notamment un. Et on y est presque. Donc saisir. Non, saisir j'ai dit.
Voilà. Parfait, c'est tombé. Ok, raccourci activé, parfait. Et là, si je me trompe pas... Voilà. C'est l'endroit final. Enfin, l'endroit final. C'est la dernière salle du jeu. Après, tu sais que de l'extérieur, après. Il doit finir celui-là, je me rappelle plus. Alors celui-là, ça dépend en fait, parce que si tu rushes l'histoire principale, il est d'une durée de 15-20 heures, je dirais. Si tu rushes pas et que tu prends le jeu à 100%, enfin que tu fais le jeu à 100%, ouais, on est sur un bon petit jeu qui est assez long, ouais. En vrai, ouais. Donc du coup là on est sur l'extérieur, c'est parfait. J'aurais jamais mis aussi rapidement, je crois que c'est un record pour moi là, j'ai jamais mis comment, c'est un record pour moi, je l'ai jamais fait aussi rapidement, la forteresse maudite. Alors toi, est-ce que tu vas me casser les couilles encore longtemps? Oula. Lentement mais sûrement. On y va, let's go. Il est un peu trop con quand même, hein. On y va. On continue notre ascension. Ah, il y a un raccourci à mettre. Il y a un raccourci à mettre. Non. Parfait. Encore un raccourci d'activer. Alors là, encore un aspect du jeu, on peut se plaquer. C'est quelle touche? Se plaquer. Non, se plaquer, voilà. C'est avec A. On peut se plaquer contre le mur et avancer. Et normalement, là, si tu désactives pas les lampadaires, ben il te détecte et il tire des bombes. Si tu désactives pas les projecteurs. C'est un peu la merde quand même si tu les désactives pas, quoi. Ok. Et là normalement on va bientôt arriver. Voilà, on arrive, on récupère notre épée. On aurait pas pu être plus brillant. Parfait. Vous avez retrouvé l'épée du héros qui vous avait échappé. Prenez bien soin de ne plus vous en séparer désormais. Oui, totalement. Merde. Ah, je me trompais de bouton. Voilà, meurs. Et la porte s'ouvre. Vas-y, on récupère le rubis là. Et on est parti.